l'élusivaire est condamné. Pour ceux qui auraient l'intention d'aller sur les réseaux de Roddy Ricch, ça sert à rien, il a désactivé ses réseaux. Je vais t'expliquer pour quelles raisons dans cette vidéo. Et n'oubliez pas que tous les jours, il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc si tu ne reçois pas de notification, te dis pas « Ah ouais, Black, il n'a pas sorti de vidéo aujourd'hui. » J'en sors tous les jours, ok? Bref, sans plus tarder, let's go pour les news. Alors, l'élusivaire est condamné à 3 ans de probation. Pour quelles raisons? Eh bien, pour l'affaire de l'agression de son ex-petite amie, Essin John. Ce n'est pas tout, pendant un an, il devra rencontrer des médecins pour soigner sa toxicomanie et sa santé mentale. Et il devra aussi suivre des spécialistes des violences domestiques. Pour ceux qui ne se rappellent pas de l'histoire, l'élusivaire a vu son ex-petite amie, Brittany Bird, avec Essin John, qui est un rappeur, dans un café à Los Angeles. Il a débarqué, il a sorti son arme devant tout le monde, les gens ont fui la scène, et si je ne dis pas de bêtises, il a pointé son arme sur son ex-petite amie et il a eu une altercation aussi avec Essin John. Pour quelle raison Roddy Ricch a désactivé tous ses réseaux sociaux? Eh bien, c'est parce qu'il a reçu de nombreuses critiques sur un extrait d'un morceau qu'il a partagé. L'enfant Ryan, qui est tombé dans un puits dans lequel il était bloqué depuis 5 jours, est décédé samedi malgré les efforts des sauveteurs. C'est lors du journal que j'ai appris cette histoire. En général, quand je regarde le journal, ce qui se passe ne me choque pas trop. Et quand ils ont parlé de la news sur Ryan, j'ai été étonné et choqué. Et j'espérais que les sauveteurs le retrouvent en vie. Et là, comme je vous l'ai dit, on a appris qu'il est décédé, qu'ils ont retrouvé le corps. Je ne pensais pas que cette histoire allait être énormément médiatisée. Comme je vous l'ai dit, je l'ai appris lors du journal. Et quand je suis parti sur les réseaux, énormément de personnes parlaient de cette histoire. N'oublions pas que dans le monde, il y a aussi d'autres enfants qui souffrent. Mais il y a autre chose qui m'a choqué. Quand j'ai vu ce que je vais vous montrer, je me suis dit, mais où va le monde? Il y a des t-shirts, des casquettes, des gourdes, des tasses qui sont en vente sur Internet. Qu'est-ce qu'on y voit sur les deux t-shirts de ces mannequins? L'enfant Ryan affaibli et coincé. Sur les produits, il est écrit « Save Ryan, be strong Ryan, pray for Ryan ». Mais aussi, être comme Ryan, c'est comme être un dieu, mais en mieux. Et puis, vous avez vu le sourire des mannequins? J'espère vraiment que c'est un montage. Comment tu peux porter fièrement ce t-shirt en souriant comme si de rien n'était? Et c'est pas comme si l'histoire, personne n'était au courant. T'en as forcément entendu parler, ne serait-ce qu'un petit peu. Donc comment tu peux? Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Ryan, qu'il repose en paix. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées sur l'élusivaire qui a été condamné, sur Roddy Ricch qui a désactivé tous ses réseaux? C'est pas juste un seul réseau, c'est tous ses réseaux. Il a vraiment très mal pris les critiques. Hein. Et aussi, des deux news sur l'enfant Ryan. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace!